Sur les fameuses compositions, justement, avec, on l'a dit, hein, Passeuys, le jeune Passeuys, 21 ans, formé à Malines. Bye pour Henry qui va tenter de provoquer dans le rectangle. Peters, la tentative. Non, ce n'est pas cadré pour Steph Peters. C'est Limani. Il va tenter de faire danser Henry. Touché au niveau de la cuisse. Et ça repart avec Prebeliak. Prebeliak dans l'axe. Il peut écarter à gauche avec Charles Cook. Ballon un peu trop long. Charles Cook. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Il aurait peut-être s'écrouler. Charles Cook. Et c'est le but! L'ouverture du score! On se demandait si on allait avoir besoin de la VAR. Eh bien, on a la confirmation. Jonathan Lardo devant sa petite télé. On va aller voir s'il y a une faute en fait. On dirait que là du côté. Alors Jonathan Lardo. Ouais, il y a eu une faute. Le but est donc annulé. Faute d'Hendry. Repart 0-0. Ouais, là ici il accroche Selemani. La touche de la main peut-être. Attends, là il quadrille maintenant. Non, Boris Lambert. Hein. L'interception, la récupération. Au meilleur moment, et maintenant on peut repartir du côté de Perret avec Charles Cook. Hein. Attention, ça va très très vite. Charles Cook, le retour de Hennen. Attention de ne pas commettre la faute. C'est la récupération de Tom Vandenberg. Cadre Hennen. Le centre. Christophe Dan. Pied gauche de Dan. Selemani est juste au-dessus pour Faïs Selemani. De Courtrai, il aura fallu attendre la 33e minute de jeu. Une première occasion franche qui, bon, certes, n'était pas qu'à... On les sent un petit peu plus motivés qu'en première période. À l'image, là, de ce ballon pour Messaoudi. Messaoudi qui tient bon Messaoudi. Et voilà la première tentative cadrée des Kerols. Ce coup franc. Steph Peters qui s'élance. Oh là là! L'arrêt majestueux! Le pied gauche là de Steph Peters. Oh là là! Et l'arrêt de Tom Vandenberg. Offensivement, c'est quelque chose qui a pris, mais défensivement aussi, c'est un joueur qui travaille énormément. Hein. Dan, ouais, c'est pas cadré. Lennart Moser. Selemani, ça passe face à Boris Lambert et on peut envoyer ce ballon avec Messaoudi. Messaoudi, il y a Dan à ses côtés mais il préfère tenter sa chance et la transversale. Terrible ça. Alors qu'il va y avoir deux changements du côté de Bernstorff avec Massimo Bruno qui est là et Onchar, deux joueurs qui étaient titulaires la semaine dernière justement. Face au cercle de... avec Boris Lambert, Charles Cook, Lambert qui va pouvoir centrer, deuxième poteau et non, c'était Davidson, hein, pardon. Davidson, c'est cadré mais c'est sans danger pour Tom Vandenberg. Alors Longchard, c'est mal donné mais attention Bruno, la tentative qui n'est pas cadrée. Par Dion Deneuve cette fois-ci et voilà le coup de sifflet final de cette rencontre. C'est terminé ici au stade des Éperons d'Or. Un match nul, un score nul et vierge, 0-0 entre eux.